Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous nous retrouvons pour le troisième épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright. On est sorti en 2005 sur Nintendo DS, en 2001 sur Game Boy Advance et en 2009 sur WiiWare, excusez-moi. Et nous nous retrouvons pour un troisième épisode. Nous avons terminé la première case du jeu qui s'appelle la première volte-face. Je pourrais pas vous montrer exactement l'image parce que là elle est un peu coupée à cause du fait que j'ai mis les écrans côte à côte, donc c'est un peu différent. Nous allons nous occuper du deuxième épisode qui s'appelle La Volte-Face des Sœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Réponse tout de suite. Dring, 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 bip. Allô? Ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia! Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolé, j'étais très occupé. Comment vas-tu? Plutôt seul, par ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Tu fais vraiment l'idée maintenant de faire d'être l'idée d'être enfin seul. Content d'entendre ça. Content d'entendre ça. Voilà, j'ai un peu mal à la clé. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais, tu veux que je garde des preuves pour toi? Toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle donne l'heure. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Hé! Je suis plus une gamine! Allons, allons. Tu sais que je te taquine. Ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage! J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur de la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Bien. Possible que ça devienne en tout cas. Oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons à 21 h, pour le prendre? Pour la prendre? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine. Mais en échange, tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein? Genre, des hamburgers! J'irais bien manger un bon burger. Elle aime bien les hamburgers, d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends, Maya. Bip. Conversation enregistrée. Le 5 septembre à 9 h 27 du matin. 5 septembre, 20 h 57, cabinet d'avocat Fay & Co. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, mes documents. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois, juste là. C'est le penseur qui a dû les avaler, ces documents. Comment le savez-vous? Oh oh oh! Vous ne savez donc pas mon passé? Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous? J'aurais dû me méfier davantage. Oh oh! Chère mademoiselle Fay, je suis tellement, tellement désolé. Mais j'ai bien peur de vous devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay. Oh! Oh là! Oh non! Ça fait mon... Red, white, bleu. Épisode 2, la volte-face des sœurs. 5 septembre, 21 h 08, cabinet de l'avocat, Fay & Co. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a dû déjà rentrer, c'est elle. Elle a dit que sa sœur devait passer ici pour qu'on aille manger tous ensemble. Cette odeur. Du sang! Mia! Donc, on va se déplacer au cabinet. On a la seule possibilité de se déplacer au cabinet. Cette odeur. Du sang! Sniff! Frangine! Il y a quelqu'un.
Patron ? Patron ? Patron ! Qui êtes-vous ? Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gisait, là, sous la fenêtre. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé la main sur son épaule. Puis tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Patron. Voilà, comme vous l'avez compris, Niafé vient de mourir des mains d'un odieux personnage. Vous voyez que la voix qui a une voix un peu au perché, comme on dit. Et là, on peut examiner un petit peu la scène de crime. Et on va essayer d'examiner les scènes de crime. On va essayer d'aller tout d'abord, on va essayer d'aller de l'autre côté. On a plusieurs choses à regarder. On a notamment les glass shards à récupérer. Ces éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Donc, avant, là, il nous en a pas grand chose. On a juste le Tinker qui est aussi elle est couverte de sang séché. Quelle ironie, c'est de nouveau la carte de l'arme du crime. Et voilà, donc là par contre on va aller se diriger vers Maya. Patron, il m'est difficile de la voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice, elle a reçu un coup violent à la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur, qui se trouve à côté d'elle, doit être l'arme du crime. Donc là on ajoute le penseur, donc la fameuse statue que vous avez vue au premier épisode. Et on la revoit malheureusement dans une autre affaire. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. En fait, j'ai mal placé mon curseur. Ça peut arriver. Rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? On va se diriger vers le papier. Qui est là, voilà, hop. Un mot écrit sur le papier avec du sang. Maya. Est-ce Mia qui a écrit ça? Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magasin. Il date d'hier. Allez, assez fouiné pour le moment. Je ferai mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Bah donc on va aller appeler la police par le téléphone. Bon, je ferai mieux d'appeler la police. Bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police ? La police ? Je vous en prie, venez vite ! Quelqu'un crie dehors ? Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. On n'a rien à récupérer en fait ici, donc on va se rediriger vers le cabinet d'avocat. Cette fille que je viens de recroiser. Ouais, tu es bien bu. Allez. Je lui avais dit de s'asseoir juste là, sur ce canapé. Oh oh, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Ah ! Ne me fais pas des frères pareils ! Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Tout va bien, je travaille ici. Maya. Mia a donc écrit le nom de cette jeune fille. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Et donc, comme on vient de nous le dire, il faut présenter le reçu. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom ! Pourquoi aurait-elle écrit mon nom ? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait écrit mon nom ?
Oh oh, trop tard. La police! On dirait qu'il vient par ici. Ne bougez plus! Police! Ok, je suis la ceinture détective, voyez? Détective? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble de l'en face nous a signalé quelque chose, voyez? Une personne nous a dit avoir vu le meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde, elle n'aurait pas... Non... Ah! Excusez-moi! Yiii! Yiii! J'ai du mal à la faire. C'est normal. Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom? Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin! Assassin? Assassin? Je ne suis pas... Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame! Quoi? Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmenée pour un interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver sommeil. Je suis resté assis là à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. Le 6 septembre, 9h07, centre de détention, le parloir. Eh bien, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. La musique, elle est triste. Ah, je m'en rappelle plus de ces musiques, elle est vraiment triste celle-là. Oh, c'est vous, l'avocat? Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement cela que je voulais pouvoir vous parler. Bien sûr. C'est avec tout dans son temps. Il faut, vaut mieux d'abord la réconforter. Bien entendu. Réjouissez-vous. Vraiment? Oh oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle a l'air encore plus triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'en croyez pas capable? Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. J'ai regardé comme ça, moi? Non, non, j'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. Oui, non, ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait des premiers pas devant le tribunal. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça se faisait longtemps. Ah, il s'est planté en beauté? C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. Le seul show qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bien, on dirait que c'était bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis désolé. Je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans rien faire. Quand je pense à celui ou à celle qui a fait ça à Mia. Je sais. On peut commencer à discuter, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était l'épisode intro de cette deuxième épisode qui s'appelle La Volte-Face des Sœurs. On se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. Et j'espère que ça vous aura plu. C'était Jeff, stay tuned.